Vendre des livres? Eh oui. Non, nous ne sommes pas intéressés. C'est inutile d'insister. Nous en avons déjà jusqu'ici. Mais ceux-ci ne sont pas des livres ordinaires. Ils renferment des merveilles qui enchanteraient sans nul doute les esprits les plus blasés. Je suis prêt à les céder pour 3 gros chênes en tout. Monsieur... Je regrette, non. Ils sont juste bons à allumer du feu. La reliure est dans un triste état, les pages sont cornées. Non, vraiment. Don Quichotte, de cet espagnol dont le nom est pratiquement impossible à prononcer. Cervantes, voyons, Cervantes. Vous êtes bien le seul à ma connaissance qui ne puissiez le prononcer. Voyez donc, professeur Lelenborg, un inédit. Ouvrage d'un inconnu, le voyage fantastique de Hirschfeld-Lundström. Redonnez-moi 2 gros chênes seulement, alors c'est le prix d'un pain et une bouteille de vin de nos jours. Ne réduisez pas votre prix, il semble honnête. Voilà 3 gros chênes. Je vous remercie, monsieur. Vous vous souviendrez toute votre vie de ce jour et monsieur, jamais vous le regretterez. Je souhaite que monsieur soit récompensé pour son geste de charité. La charité est en soi une récompense pour ceux qui savent interpréter les signes du destin. Qu'est-ce que veulent dire ces propos sibylles? Quel étrange récit. C'est l'histoire d'un homme qui prétend avoir fait un voyage au centre de la Terre. Quelle blague! Il n'en manque plus que 6. Pourquoi faut-il que ce soit moi qui me traîne à 4 pattes pour ramasser des cailloux quand c'est vous qui les avez fait tomber? Ce ne sont pas des cailloux, mais la collection de minéraux de monsieur le Limbourg. Et puis le fameux mot de l'histoire, c'est que je sais comment les casser, moi, tandis que vous, non. Hier, j'ai appris une bonne nouvelle. Ils ont décidé de nous laisser participer, nous, élèves officiers, pour la première fois aux prochaines manœuvres d'été. C'est passionnant. Alors j'ai pensé que si vous comptiez toujours entreprendre cette ridicule exploration souterraine avec votre oncle, après nous pourrions tous effectuer peut-être un voyage d'agrément. Tout cela dépend quand vos ridicules manœuvres se terminent. Les manœuvres ne sont pas ridicules. Elles sont l'un des facteurs essentiels de l'art militaire. Et comme disait Bismarck, l'armée constitue l'épine dorsale de la nation. Elles sont plutôt des jeux inventés par des garçons attardés dans le seul but de pouvoir dormir dehors sous une tente et de se cacher derrière les arbres. En tout cas, ce n'est pas plus idiot que de ramper dans des grottes pour y ramasser de vulgaires cailloux. J'espère que le dîner est prêt, Martha. Voilà mon oncle. Oh, Dieu du ciel, non! Il a au moins un quart d'heure d'avance aujourd'hui. Et alors, quelle importance? Vous connaissez la manière crée de l'oncle Georges à propos des repas. Il exige qu'il soit servi à l'instant même où il entre dans la maison. Entrez, donnez-moi la dernière pierre avant qu'il ne s'aperçoive qu'on les a fait tomber. Dépêchez-vous. Oh, maudit caillou! Oh, monsieur, j'étais en train de demander... Oui, oui, André, je comprends. Aussi, si tu as le consentement de ma nièce, tu as le mien et ma bénédiction. Oh, mais vous entendez? Il m'accorde votre main avant même que je l'ai demandé. Sans doute, mais lui seulement, après tout. Pourquoi voulez-vous que j'épouse un soldat? Ah, oh, ben, et pourquoi pas? Mademoiselle, voulez-vous dire à monsieur qu'il est servi? Parce qu'en cas de guerre, vous seriez peut-être tué, et qu'en l'absence de conflit, vous n'obtiendrez jamais d'avancement. Tout compte fait, je trouve que vous exercez un sous-métier. Oh, ben, ça, c'est le comble de la perfidie. Le dîner est servi, mon oncle. Ah, splendide. J'ai un fameux appétit ce soir. Oh, qu'est-ce que c'est? Montre. Quels sont ses caractères? Et ça, on dirait une carte, il me semble. Une carte, parfaitement. De l'Islande. Vous les dédirez après dîner, mon oncle. Le potage va être froid. Oui, oui, ma chérie. Commencez à dîner, je viens tout de suite. Mon oncle a dit de ne pas l'attendre. Martha. Qu
Quel intérêt peut-on avoir une vieille carte? Je ne comprends pas. Oh, la carte n'en a pas beaucoup, mais le texte codé qui l'accompagne peut en avoir. Codé, vous dites? Oui, et cela le rend fou de ne pas parvenir à le déchiffrer. Pourquoi n'avez-vous pas dit ça plus tôt, voyons? J'aurais pu le faire et votre oncle n'aurait pas eu à jeûner. Oh, vous entendez quelque chose au déchiffrage de code? Seulement un tout petit peu plus que Champollion. Oh, qui est-ce? Mais c'est le français qui a percé le mystère des hiéroglyphes égyptiens. Croyez-vous qu'à l'école militaire, on ne nous apprenne qu'à nous camoufler derrière les arbres, cher ami? Ah, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. 9 heures d'effort pour ne parvenir à déchiffrer qu'une signature. Si seulement on pouvait établir dans quelle langue ce message est rédigé. Logiquement, le livre étant en langue gothique, je pense que le texte de ce parchemin l'est aussi. L'étude de toutes les combinaisons possibles peut nous demander des semaines de travail. Oh non, mais des mois, oui. De la façon dont vous vous y prenez, Champollion, tournez-vous et regardez. Oh, comment n'a-t-on pas songé à ça plus tôt? Vous avez transcrit le texte en caractère latin? Guerre plus concluant. Reviens au début. Repasse-nous la série précédente. Là. Là, on jurerait du chinois. Ah, je crains que ce soit une entreprise sans espoir, hélas. Par exemple, comme dirait mon distingué confrère Darwin, espèce de vieux singe. Regardez. Oh, ce sont des vers? Oui, l'énigme poétique. Au sommet du mont Orpha, la clé du mystère trouvera, à l'ombre du stérelet, descend dans le cratère, au calente de juillet, et tu parviendras au centre de la terre. Centre de la terre. Savoir déchiffrer les signes, a dit le vieil homme. Oui. Ça veut dire quoi, monsieur? Ça veut dire, André, que toi et moi, nous avons le privilège fort rare d'avoir pu faire l'une des plus importantes découvertes de toute l'histoire de la science. Et qui ne pourra être vérifié avant l'année prochaine. Oncle Georges, vous êtes de moins en moins clair. Oh, voyons, mon enfant, voyons, c'est clair comme de l'eau de roche, au contraire. La relation faite par l'auteur du voyage au centre de la Terre est authentique. Il y est vraiment descendu, il y a trouvé l'entrée. Oh, c'est fantastique. Il nous en donne la preuve avec ce message codé qu'il avait pris soin de glisser dans son bouquin. Le massif où il a découvert l'accès aux entrailles de la Terre, au mont Orpha, souvenez-vous-en, et le pic, voyons, celui dont l'ombre, une seule fois par an, indique exactement l'entrée du puits où il faut descendre. Le pic Sterlet et le mont Orpha, ils existent bien l'un et l'autre. Mais pourquoi faut-il attendre une année pour pouvoir suivre les traces de ce monsieur Stalonstrom? Vous voulez suivre ces brisées? Mais c'est une folie, réfléchissez. Ah, par malheur, s'il faut en croire le bouquin, le seul jour de l'année où le soleil dessine une ombre significative avec le corps du pic se trouve être le 19 juin, à 11h29. Oh, et aujourd'hui, nous sommes déjà le 20 juin. Exactement. Oh, quel dommage. Je n'aurais pas le courage d'attendre encore un an. Vous oubliez que le livre, monsieur, a été écrit à l'époque du calendrier julien. Où voulez-vous en venir? Mais bien sûr. Et à présent, on utilise le grégorien, qui diffère de 10 jours par rapport à l'autre. Nous sommes donc le 10 juin, en réalité. Et nous avons nos chances, ma chérie. Mais il ne faut pas rater le train du matin pour Bremenhaven. Martha, venez immédiatement. Oh, je n'arrive pas à y croire. Occupons-nous pour l'instant de réunir ce dont on a besoin. Monsieur m'a demandé... Oui, Martha, veuillez faire les bagages immédiatement. Je pars à la première heure demain matin. Pour quelques jours ou davantage? C'est pour savoir ce qu'il me faut préparer. Martha, nous partons faire un grand voyage. Un voyage jusqu'au centre de notre planète. Ben, dans ce cas, inutile de prévoir votre parapluie. Il faut que je m'achète des bottines. Comment? Mais jamais de la vie, je vous le défends. Je vous défends formellement d'accompagner votre oncle dans cette folle aventure. Les entrailles de la Terre, mais ce n'est pas la place d'une jeune fille. J'ai peur qu'André ait raison, mon enfant. Une telle expédition peut s'avérer trop dangereuse, même pour une intrépide comme toi. Mais vous ne pouvez entreprendre ce voyage tout seul. Qui s'occuperait de vous si vous deviez être malade ou que vous vous cassiez une jambe? Moi, naturellement. Même si je dois pour cela renoncer à mes manœuvres. Oh, André, vous êtes noble et généreux. Parfait. S'il me faut rester ici, je compte bien en tirer le meilleur parti possible. Voilà la plus raisonnable des attitudes, Sophie. Merci. Pauvre Sophie.
Dieu, qu'elle semblait triste et désespérée sur le quai de la gare. Elle me manque déjà. Oui, je comprends ce que tu éprouves, André, mais tu as eu parfaitement raison de lui interdire ce voyage. En vérité, à quoi pourrait bien servir une femme dans cette rude aventure? Billets, s'il vous plaît. Je donne les billets au contrôleur. Je ne les ai pas, moi. C'est vous qui les avez. Quoi? C'est Sophie qui s'en occupe d'habitude, elle ne te les a pas donnés, hein? Je crains que nous n'en ayons pas pris du tout. Bonté divine. Et moi qui ai oublié de prendre de l'argent. Ah, ne vous en faites pas, j'ai ce qu'il faut. Oh non, un chien. J'ai laissé mon portefeuille dans mon uniforme. Oh mon Dieu. Voilà qui complique la situation. Non. Hein? Non, non, ça la complique en rien, monsieur. Vous vous réglez le prix des billets, vous descendez tout de suite à la prochaine station. Mais vous n'y pensez pas, nous devons embarquer à Reykjavik. Ah, désolé. Sophie. Oh, Sophie. Vous deux, vous perdriez votre tête si on vous laissait faire tête d'olinette. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, c'est un appareil fait pour mesurer la densité de certains gaz. Vous savez vous en servir? Oui, Sophie est aussi familiarisée que moi avec cet appareil. Toi, André, tu auras une tâche bien plus importante. Tu tiendras le journal de bord de l'expédition. Je crois que vous pouvez me faire confiance. Le premier problème, c'est de savoir où trouver un porteur. Nous ne connaissons personne en Islande. Oh, si, ma chérie. Mon vieux camarade de Fredriksson. On faisait nos études ensemble il y a 30 ans. Je ne l'ai pas revu, mais il nous dépannera, j'en suis convaincu. Mais comment allez-vous le retrouver si vous ne l'avez pas revu depuis tant de temps? Oh, c'est facile. Il hante les musées comme les fantômes hantent les châteaux. À moins qu'il n'ait changé, il doit se trouver au Muséum d'Histoire Naturelle. Pendant que les deux anciens condisciples évoquaient le bon vieux temps et discutaient de sujets les passionnants, Sophie et moi nous passâmes une matinée très instructive, courant d'une vitrine d'exposition à l'autre. Quelque chose ne va pas, monsieur? Il cherche son monocle. Voudriez-vous nous aider, monsieur? Mais certainement. Nous sommes là pour cela. Et la disposition des vitrines est magnifique. Oh. Vraiment, tout est... Seigneur, mais que fait-il à quatre pattes par terre? Il cherche son monocle. Ah bah. Et voici le plus beau fleuron de notre collection. Trinaphodon holmesinensis. C'est un vrai régal pour l'œil, Fredriksson. Oui, mais tu n'as certainement pas quitté ta maison et tes livres, rien que pour inspecter notre muséum. Non, c'est exact. Nous sommes venus explorer les massifs du Torfa. Il n'y a pas de meilleur spécimen de volcan endormi dans notre hémisphère. Oh, ton idée me paraît excellente. Mais même remarquable, et sans ma maudite goutte, je partirai avec vous. Maintenant, il faut que je te demande un grand service. Ben oui. D'après un magasin sérieux, tout d'abord, pour l'équipement nécessaire. Et puis un bon porteur pouvant nous servir de guide. Ah, le magasin c'est facile, mais pour le guide c'est pratiquement impossible, j'en ai peur. Impossible. C'est la saison du hareng, vois-tu, en ce moment. Tous les hommes valides sont soit sur les bancs de pêche, soit chez eux, vers accommoder les filets. Et tu ne peux pas attendre une quinzaine. Il faut absolument que nous partions demain matin. Ah. Ça n'a pas d'importance, nous n'avons pas besoin de tente, de toute façon. Où est-ce qu'il faut le mettre? De ce côté-là. Ben, décidez-vous, c'est lourd, ça fait une tonne. Par ici. Ah, nous avons aussi besoin d'étuis pour mettre les instruments. Oh. Sophie, voyons. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est un masque à gaz. On peut respirer en toutes circonstances ou presque avec cet appareil. Intéressant. Mais ça peut faire notre affaire, nous en prendrons quatre. Oui. Maintenant, avez-vous des lampes portatives de préférence? J'ai exactement ce que vous désirez. Où est-ce que je les ai mises? Ah, ça y est. Yann, tu veux enlever le tonneau qui est derrière toi? Ah, vous pouvez dire que vous avez eu des fins de venir chez moi, monsieur. Je suis le seul dans toute la ville à faire ce genre d'article. Difficile à se procurer, d'ailleurs. Il faut l'importer. On n'en fabrique pas chez nous. C'est assez nouveau, malgré tout, mais avec les rations... Tais-toi donc, on connaît toute la lampe. Voilà. Lampe de Demkoff, ça s'appelle. De Remkoff. Ah oui, oui. Ça devrait convenir, il me semble. Bon, eh bien, j'en veux quatre aussi. André, l'homme qui portait le tonneau, il travaille pour vous? Yann?
Oh non, c'est mon cousin. Yann vient une fois par mois à la maison pour me donner un coup de main. Mais il refuse de chercher un emploi stable, quel qu'il soit, ou de se faire pêcher. C'est peu une seule fois dans un mois. Très peu même. C'est un homme des montagnes, un excellent berger. Ces gens sont très indépendants et fiers. Alors pourquoi ne s'occupe-t-il pas de ses moutons? Ça, monsieur, c'est une tragique histoire. L'an dernier, au printemps, un orage a éclaté et deux fois la foudre est tombée, anéantissant tout son troupeau. Et depuis, il reste sans mot dire, comme ça, seul dans son coin, travailler le bois, jouer de l'harmonica ou faire des réussites. Yann, mes compagnons et moi, nous voulons explorer le massif du Torfa. Êtes-vous prêt pour une somme honnête? Êtes-vous prêt à partir avec nous? L'argent ne m'intéresse pas. Combien vaut un mouton dans votre pays? 3 risdal. Supposez que je vous donne donc un mouton par semaine et 2 béliers en supplément si vous nous ramenez vivants. Quand est-ce qu'on part? Au petit jour, le temps d'emballer tout l'équipement. Ah, quelle chance inespérée, n'est-ce pas? On a enfin trouvé du travail pour Yann. Imbécile! Enfin, le massif du Torfa. Contemplez. C'est splendide, extraordinaire. Quel panorama, on en oublie les fatigues de l'ascension. Vous voyez ces vapeurs blanches qui montent du sol du cratère? Eh bien, si une éruption était imminente, elle serait 3 fois plus forte que celle-ci. Dites-moi, monsieur, nous allons rester en bas combien de temps? Yann, je pensais vous en parler quand nous y serons. Nous voulons descendre à une profondeur dépassant le niveau du cratère. Nous voulons parvenir jusqu'aux entrailles même de la Terre. Alors, vous êtes libre de venir ou de rentrer chez vous. Mais si vous nous suivez, je vous préviens, on risque de demeurer en bas longtemps. Des jours ou des semaines? Plutôt des semaines. Une semaine égale un mouton. Je descends. Merci. Il accepte. À vos l'honneur, Yann. Allez. C'est profond plus que je ne croyais. Évitez de regarder en bas. Dès que nous eûmes repéré le pic Sterlet, Yann entama la descente du puits du cratère, suivi par le professeur et sa nièce Sophie. Moi, je fermais la marche, au cas où l'un de nous aurait eu besoin d'aide. Voilà, c'est ici. Yann, apportez le matériel. Et voilà la ligne d'ombre. C'est parfait. Regardez. Oh,
Suarez, Ax Dahlumström. Ça prouve qu'il a dit la vérité. Hein? Je n'en ai jamais douté, André, pas une minute. Non, jamais je n'ai douté. Yann, l'échelle de corde, là. Là, ce sera bien. Vérifiez vos lampes, mes enfants. Doucement, Yann, doucement. Prêt, André? Oui. Bon, passez le premier, Yann. Depuis le début de toute cette histoire, je commençais à y croire. Et à m'apercevoir aussi que ce qui ne devait être dans mon esprit qu'une simple excursion prenait l'allure d'une véritable aventure. Une aventure passionnante mais dangereuse, en particulier pour ceux qui n'avaient pas eu la bonne fortune de recevoir une préparation physique et morale adéquate. À vous, professeur! Ce sera ton tour, Sophie. Fais très attention surtout. Bien, tu es prête, Sophie? Vas-y, n'aie pas peur, descends. Ça va, continue. Allons, regarde devant toi. C'est à toi, André. Professeur, est-ce que vous êtes bien sûr et certain qu'il n'y a aucune possibilité d'une proche reprise d'activité de ce volcan? Question stupide. Il ne reste plus qu'à faire confiance à la science. Grâce aux choix judicieux et au conditionnement soigneux de notre équipement, nous fûmes en mesure de réduire la charge de chacun au minimum pour transporter tout le matériel nécessaire. Instruments, outils, cordes, armes, provisions pour 60 jours et eau potable pour 10 jours. À mon sens, la provision d'eau était insuffisante. Mais le professeur, mon tuteur, m'assura que nous rencontrerions de nombreuses sources au cours de notre progression. Comment savoir laquelle il faut choisir? Oui, c'est très embarrassant. Rien de plus simple. Demandons à Dahlumström d'être notre guide. Et il faut encore. Voilà le passage intéressant. Empruntez la galerie à gauche. À gauche, allez-y. En haut. Et puis de l'eau potable, on va en trouver. Ça va, ma chérie? Oui. Bonne petite. Repartons. En haut, Yann.
tout, mon oncle. Juste une ration individuelle. Je comptais nous réapprovisionner ce soir. Le soleil doit se coucher en ce moment, là-haut. Je comprends pourquoi je suis si fatiguée. Et moi, pourquoi je suis si affamée? Perdons pas courage. Bientôt, on trouvera de l'eau à boire, sûrement. Allons, Sophie, donne-moi l'air levé du jour. Température, pression atmosphérique, etc. Humidité, 90%. Température, le thermomètre indique 9 degrés centigrades. Ça ne m'étonne plus que je grelotte. Qu'est-ce que la boussole indique, André? Si on n'avait pas visé le Stalenstrom, nous devrions être orientés à l'ouest. En plein, oui. Le bon vieux Stalenstrom. Bien. Continuons. Yann, en avant. Si seulement Stalenstrom disait quand nous allons trouver l'eau potable. Ce n'est pas possible de continuer dans des conditions pareilles. Stalenstrom sait peut-être ce qu'il faut faire et comment. On va voir. Ça va, Sophie? Ah, ça ira mieux quand je vous serai lavé les cheveux. André, vous avez l'air d'un homme qui a reçu la foudre sur la tête. Ah. Je devine quelles sont tes pensées, André. Nous n'avons plus d'eau. Le livre qui nous servait de guide est perdu. La seule chose raisonnable à faire serait de revenir sur nos pas pendant que nous pouvons encore. J'avoue que cette pensée a traversé mon esprit, professeur. Un salin fou ne l'aurait pas eu. Mais réfléchis. Devant nous, là, dorment des millions d'années d'histoire inconnue de la Terre. Allons-nous nous désintéresser et abandonner, ou continuer? Je propose de procéder à un ordre. Bon, si tu veux, commence. Irons-nous de l'avant comme des êtres civilisés, ou tournerons-nous brides comme des lâches? Oh, mon oncle, je ne voudrais à aucun prix cacher votre week-end, alors je dis en avant. Merci. André? Un homme qui porte le glorieux uniforme de l'armée impériale n'a qu'une réponse à faire. Il accepterait. Je dis en avant, moi aussi. Yann? Poursuivre, c'est gagner des boutons. Retourner, c'est les regretter. La question est réglée. Merci à tous. Nous continuons. En avant, Yann. Qu'est-il arrivé, mon oncle, si nous avions voté dans le sens inverse? Je n'en aurais pas tenu compte, ma chérie. Comment pourrait-on progresser si demain la science devenait l'esclave de la démocratie? En route.
Clos-Georges, c'est vous? Qui est là? Sophie, j'étais restée en arrière pour admirer les spalactites. Je suis tombée dans ce coupier. Ah oui, je comprends, mais ensuite. Ensuite, il s'est produit une chose à peine croyable. Juste à l'instant où j'allais couler, quelqu'un est apparu et m'a sauvée. Quelle absurdité, il n'y a personne à part nous ici. Je vous affirme que c'est une main humaine qui m'a tirée de là. C'est le fruit de ton imagination. Tu es victime d'une illusion tactile. Tu t'es sauvée de toi-même en t'accrochant à cette pierre qui a pris l'aspect d'une main humaine. Et la silhouette que j'ai vue surgir et disparaître aussitôt, je suppose que c'est aussi une illusion, selon vous. Non. Sans aucun doute, c'est dû à des orientations, la soif et la tension nerveuse. On est tous dans le même cas. Oncle George, si je dis que j'ai vu quelqu'un, c'est que j'ai vu quelqu'un. Simple illusion. C'est connu des géologues du monde entier. Maintenant, Sophie, tu ne vas plus nous quitter d'une semelle. Oh. Venez, je vais vous soutenir. Vous n'avez jamais dû partir avec nous. Je vous avais prévenu pourtant. Oh, je vous en prie, taisez-vous. Quelle direction maintenant? Nous voici de nouveau devant un choix à faire. Oui, alors quelle direction? Franchement, au point où nous en sommes, mon petit, ton estimation vaut la mienne. Franchement, je commence à dormir debout. Oui, mais ceci est dû au fait que la température s'est élevée depuis une bonne heure. J'ai peur d'une chose. Si nous nous reposons maintenant, avant d'avoir pu trouver de l'eau, nous sommes peut-être trop faibles pour reprendre la route ensuite. Dis-moi, André, comment te sens-tu? Oh, le taille a dévoré les kilomètres. Professeur! Oui, qu'y a-t-il, Yann? Des initiales. Tout à fait comme les autres. Ah! Ce bon Stalinstrom nous vient encore une fois en aide. Allons, mes amis, reprenez courage, que diable. Il peut avoir connu les mêmes problèmes que nous en matière d'eau. Il n'a peut-être pas perdu son bidon, lui. Écoutez, vous entendez? Ça ressemble à un bruit de voix. Des voix humaines. Qu'est-ce que ça peut être? Pas la moindre idée. Et pourquoi pas des voix? Ridicule. Est-ce qu'il est impossible que le chemin qui doit mener au centre de la planète ait été découvert par quelqu'un d'autre que nous? C'est possible, tout est possible, mais c'est fort peu probable. Et je suppose que la chose est connue de tous les géologues du monde, sous le nom d'illusion auditive. Ce sont peut-être des animaux d'une espèce inconnue. Qui sait s'ils ne sont pas dangereux? Oh, silence, taisez-vous tous. Évitez de faire du bruit. Yann, vous en tête, Sophie, Yann. Chut, chut. Silence. Silence. Vous entendez quelque chose? Vous entendez quelque chose? Vous entendez quelque chose? Ce ne sont pas des animaux, en tout cas. Ce ne sont pas des animaux. Je me demande bien ce que ça peut être. Ce ne sont pas des animaux. Qu'est-ce que ça peut être? Je me demande bien ce que ça peut être. C'est un phénomène acoustique. Ils vont être au centre du champ. Ils vont être au centre du champ. Ils vont être au centre du champ. C'est un phénomène acoustique. Ils vont être au centre. Bon, nous l'avons assez entendu. Nous l'avons assez entendu. Allons-en. Nous l'avons assez entendu.
Allons-nous-en maintenant. Allons-nous-en maintenant. Bon, nous l'avons assez entendu. Non, attends. Non, attends. Non, attends. Non, attends. Arrêtons-nous ici. Ici, au moins, nous sommes à l'abri. Je suis plus assoiffée que jamais et si exténuée que je ne pourrais faire un seul pas de plus, mon ami. Oui. Dans ces conditions, ma chérie, il faut que nous fassions halte ici et prenions un peu de repos. Alors, installons-nous. Je continue à dire que tout à l'heure, j'ai vu une forme humaine et pas une illusion. Chut, calme-toi et tâche de dormir, Sophie. Ça. Juste là derrière, Yann a découvert un cours d'eau souterrain, mon oncle. Dieu soit loué. Allez, lève-toi, mon garçon. Viens, viens, allons voir ça. Ah. Là, juste là. Ah oui, il ne peut y avoir de doute, c'est bien de l'eau. C'est là qu'il faut creuser. C'est ici. Non, 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 c'est où je suis que le bruit est le plus distinct. Donnez-moi le piolet. Professeur, je connais la montagne, les gouffres aussi. C'est là qu'il faut percer. En haut, pas en bas. Yann, en tant que professeur de géologie, j'ai quelques connaissances en matière de gouffres et de montagnes, et sur la manière de pérer nécessaire pour avoir de l'eau. Reculez. Vous avez toute votre raison. Un pouce de plus à droite et la grotte entière s'effondrait sur nous. Ce simple verger s'est montré beaucoup plus sensé que vous, aussi savant que vous soyez, professeur Le Limbourg. Qui êtes-vous? Et comment connaissez-vous le nom de mon oncle? Parce que j'ai lu ses ouvrages. Et aussi parce que j'ai dû écouter vos incessantes jacasseries pendant les 20 derniers kilomètres de la descente. Vous avez suivi? Par hasard, j'ai commencé ma descente il y a 2 mois de ça. Dans le massif du Torfa? J'ai préféré une voie personnelle pour descendre sous terre, j'espère en faire de même pour remonter. Oh mon Dieu! Votre main est brûlée. Ça n'est pas grave, mademoiselle. Apaisez votre soif. Vous vous livrez à des travaux scientifiques, monsieur? Olsen, appelez-moi simplement Olsen. Ainsi que tout homme civilisé, je compte les sciences naturelles parmi mes passe-temps favoris, mais en revanche, je refuse de me soumettre à leurs prétendues lois et de limiter mon horizon. Le hasard voulant que nos voies se croisent, croyez-vous pas raisonnable de voyager de concert? Vous pourrez mettre à profit mon expérience. Je crois qu'il faut être parfaitement précisé que cette expédition est conduite par le professeur Georges Le Limbourg et personne d'autre. Mon cher monsieur, ce qui m'intéresse, c'est l'acquisition de la science pour la science uniquement, et non pas l'accumulation de distinctions honorifiques quelconques. Je n'ai jamais rien entendu d'aussi insolent. Je donnerais je ne sais quoi pour l'avoir une journée seulement dans ma section. Ne soyez donc pas grandiloquent, André. En tout cas, nous avons à boire, au moins maintenant. Attends qu'elle refroidit, voyons. En dehors du fait qu'il répondait au nom d'Olsen et appartenait de toute évidence à la race humaine, nous n'apprîmes que fort peu de choses sur le compte de ce singulier individu dont tout l'équipement, selon nos constatations, consistait en un mystérieux coffret métallique. L'étrange et saisissante apparition d'Olsen fut vite oubliée, tant notre soulagement était grand après la découverte de la source. D'ailleurs, à partir de ce moment, nous en rencontrâmes en quantité. De nous tous, ce fut Sophie qui parut la plus affectée par la présence importune d'Olsen.
J'ai peur que nous nous soyons trompés et que nous ayons perdu les autres. C'est très fâcheux. Nous avons au moins l'avantage d'être seuls. Si vous faites allusion à l'absence de M. Olsen, laissez-moi vous dire que la chose me paraît plutôt peu réconfortante. Eh bien, moi, en tout cas, je le trouve prétentieux, ennuyeux et grossier. Oui, mais qui s'en soucie, au fond? Qui se soucie de ce qu'il est? Il a des yeux intéressants, c'est ce qui compte. Eh bien, si c'est tout ce que vous trouvez à dire sur Olsen, je vous jure que je... André! André! Que s'est-il passé? Rien, plus de peur que de mal, mon garçon. Le pire a été épargné. Oh. Et Sophie? Pas une seule égratignure. Sophie est là-haut, en train de barboter. Viens voir. Mais c'est pas possible, j'ai les hallucinations. Non, on dirait l'océan. Il s'agit seulement d'une des nombreuses bizarreries de la nature. Un océan loin, sous le fond de la mer. Aux eaux fraîches et douces. Oh, j'ai du mal à en croire mes yeux. La sorte de voûte qui surplombe nos têtes à plus d'un kilomètre. Oh. Doucement, André, doucement. Dans toute mon existence, je n'ai jamais vu, même là-haut sur la Terre, des formations de minéraux capables de retenir et réfléchir autant de lumière. C'est incroyable. Fantastique. André, venez! Allons, venez! Dépêchez-vous, elle est formidable! Vas-y, va te baigner, André. Ça te fera du bien. Tu restes sans connaissance pendant près de 2 jours. Prends garde à ta tête. Je ne me sens pas encore très solide. Le radeau s'annonce bien, Yann? Il est bientôt fini. J'espère que ce poids fossile va bien flotter. Il va flotter. Souhaitons-le. Parce que sinon, je ne sais vraiment pas quelle décision prendre. Je viens, Sophie. Vous êtes ridicule. Comme ça, André, laissez plonger. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Oui. Extraordinaire. Et clair. Formidable. Autre chose que les mers terrestres, hein? Non? En réalité, d'où êtes-vous originaire? Oh, votre main. Quoi, ma main? Qu'a-t-elle? Oh, elle est totalement guérie. Et en si peu de temps, mais comment est-ce possible? Cependant, c'est possible, vous voyez. C'est vous, n'est-ce pas, qui m'avez sauvé la vie? Olsen. Je ne sais pas ce que vous voulez dire, Sophie. Vous croyez que nous allons pouvoir voguer là-dessus en sécurité? Yann me garantit que le radeau va flotter. Quelle lumière étrange, je n'arrive pas à m'en détacher. C'est envoûtant. Fantastique. Oui, mais pas davantage qu'une aurora borealis. Elle est due d'ailleurs au même genre de phénomène, l'ionisation. Regardez ce que j'ai trouvé. Un magnifique coquillage. Oh, ma chère enfant, prends-en le plus grand soin. Oh, il est réduit en poussière. Toutes les choses que tu vois sont des fossiles et non pas des coquillages. Cela veut dire qu'il pourrait y avoir d'autres êtres vivants par ici? Oh, je serais fort surpris d'apprendre le contraire, en tout cas. Où est-ce que vous allez, Yann? Il nous faudrait un gouvernail. Bon, continuez votre travail. Nous allons vous trouver ça. Oh, regardez! On dirait des champignons géants. Vous croyez qu'ils peuvent être comestibles? Oui, ce sont bien des champignons. Il y a 10 millions d'années, ils poussaient un peu partout sur la Terre. Je vais les examiner. Attendez-moi ici. Ils sont peut-être dangereux. Extraordinaire.
Ils sont parfaitement conservés, comme dans une joie. Je me demande combien il peut y en avoir dans un kilo. Mais où est passé votre oncle? Oncle Georges! Professeur! Oncle Georges! Je suis là, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez me rejoindre. Mais faites très attention. Je vais vous expliquer, mes enfants. Venez! Marchez avec précaution. Pourquoi? Ils ont l'air tout à fait inoffensifs. Ils n'en ont que l'air, hélas. Si leur pollen nous tombait dessus, nous pourrions être tous atteints d'histoplasmose. Vous voyez cette poudre rougeâtre sur leur chapeau? Elle est dangereuse? Oui, elle peut, dans certains cas, être même mortelle. Il vaut mieux ne pas demeurer ici. Le vent peut se lever et le pollen peut être libéré. De toute façon, ne les touchez pas, n'est-ce pas? Promis? Sauvons-le d'ici! Encore une seconde, et cette maudite poudre nous tombait sur la tête. Monsieur Olsen, venez. Je m'en doutais. Êtes-vous complètement fou? Et vous vous permettez de me critiquer parce que j'ai percé un petit trou dans la roche, alors qu'avec vos explosions, vous risquez de faire effondrer cette masse tout entière sur nous. Je dois procéder à mes expériences de même que vous au vôtre, monsieur le professeur. Au soi-disant expérience, faites malheureusement notre existence à tous en péril. Votre existence? Vous croyez réellement que vos travaux puissent modifier en quoi que ce soit la vie de quiconque sur cette planète? Allons, allons, oncle Georges, tout cela ne vaut pas la peine de s'énerver. Pour qui se prend-il donc? Pour s'arroger le droit de nous mettre en danger avec ses jouets ridicules? Si nous allions voir où allait notre radeau. Alors, Yann? J'ai trouvé quelque chose. Bravo, Yann, ça prend un bon gouvernail. Quand lance ton radeau? Très bientôt. Compliment, vous avez bien travaillé. Je vais réunir mes affaires. Je vais vous aider, André. Comment vous sentez-vous? Oh, beaucoup mieux aujourd'hui. Qu'est-ce que vous faites? Hein? Oh, c'est incroyable! Quoi? Hier encore, vous aviez une entaille profonde au front. Les blessures, me semble-t-il, vont plus vite à guérir ici. On pourrait en faire un très beau champ de bataille. Idiot. Dès qu'il fut mis à l'eau, notre radeau fit preuve d'excellente qualité de navigabilité, à la grande satisfaction de tout le monde. Nous maintenions le cap au sud-est, sous un angle de 145 degrés. Et selon les calculs du professeur, nous devions nous trouver à ce moment-là, très exactement, à la verticale des îles Britanniques. Le seul inconvénient notable de ce début de voyage fut le léger malaise causé à l'un des passagers mal entraîné à surmonter ce genre de difficultés. Nous eûmes une agréable surprise. Je crois que le feu est pris. Oh, j'en ai un. André, voilà, elle va voilà. Sortir. Laissez-moi faire. Ça doit être un gros. Ah oui, un requin pour le moins. Attention à vos mollets. Oh. Quel drôle de poisson. Vous croyez qu'il est comestible? Oui, il n'y a pas de raison. Tiens, faisons-le cuire. J'ai une faim de loup. Dépêchez-vous un peu, chef, allons. Attention, c'est chaud. Et monsieur Olsen? Si monsieur Olsen en veut, eh bien qu'il vienne en chercher. Quel goût cela a-t-il, Sophie? Un goût divin. Moi, merci. Je dirais que ça a plutôt le goût de Colin. C'est un délice. Nous devrions bien inviter monsieur Olsen. Monsieur Olsen se nourrit exclusivement de lecture. Taisez-vous, je vous entendais. Mon il fait chaud. Moi. 32 degrés. Oui, mais ça n'a rien d'excessif quand on songe que nous sommes à au moins 100 km de la surface terrestre. En tout cas, c'est excessif pour moi. Je veux faire trempette. Ne regardez pas, je vous prie. On risque d'avoir une congestion. Oh,
Le patron du radeau, Sophie. Non, mon oncle. Allez, André, venez. Elle est fraîche comme tout. Je l'ai relevé à faire. Venez, André. Je sonde et tu inscris les profondeurs. André, oh, mais suivez-moi. Tirez-le. Attendez. On dirait des marques dedans. Bonté divine, le fer est coupé au ras du manche. Regardez. Un monstre. Sophie, revenez. Vite, Sophie, vite. Vite, 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 Sophie. Dépêche-toi, voyons. Allez, allez, plus vite! Accroche-toi au cordage et cramponne-toi! Courage! Donne-moi la main! Vous n'avez rien? Je ne sais pas, je crois pas. Regardez bien, deux monstres de légende face à face. Il y a plus d'un million d'années, ils vivaient sur la Terre et nous les découvrons maintenant. Je parie deux marques sur celui de gauche. Tu as perdu d'avance. Il n'y aura ni vainqueur ni vaincu. Ils vont tous deux mourir. Donnez-moi le fusil. Le fusil, Jeanne. Il faut nous en aller avant que le sang de ces bêtes en attire d'autres. Mettez à la voile. Allez-y. Les avirons. Vite, André. Les avirons à l'eau, j'ai dit. Regardez, on dirait une baleine géante. Non, c'est une petite île. Allons-nous la visiter, mon oncle? Bien sûr, nous y trouverons peut-être quelques fossiles intéressants. Jeanne, naviguez droit dessus. À gauche, André. Julian, amarrez-vous à la grosse pierre, là-bas. Voilà, très bien. Tu peux descendre, maintenant. André, venez m'aider. J'arrive. Allez, hop. Oh, André. Oh. Voilà. Il faut quelqu'un pour garder le radeau. Vous, Yann. Qu'est-ce que c'est que cette fumée qui sort de terre, là? Des émanations thermales, sans doute. De ce côté-là, ça a l'air désertique. Olsen semble se passionner pour des choses qui n'ont pas le moindre intérêt. Ça n'empêche pas d'être un homme fascinant. Oui, en tout cas, moi, je suis convaincu qu'il n'est pas aussi savant qu'il veut bien le dire. Ni nous non plus. Et moi, j'en suis encore à me demander si cet homme est un homme d'ordre ou un maniaque. En tout cas, il a un secret qu'il conserve dans cette boîte de métal. Ce que je ne comprends pas, c'est comment il a provoqué l'explosion. Mais ça m'intrigue beaucoup également. Il faudra le surveiller de très près à l'avenir. Quel curieux rocher. Venez voir, monsieur. C'est extraordinaire. Une compagnie de tortues géantes. Oh, c'est quelque chose d'incroyable. Des fossiles de tortues géantes. Elles doivent être là depuis des siècles. Stupéfiant.
Quel dommage qu'elles soient mortes. Ça vaut peut-être mieux. Elles étaient peut-être dangereuses. Hein? Quel est ce bruit? Pourquoi voulez-vous qu'elles soient dangereuses? Et pourquoi pas? Elles étaient peut-être carnivores, même friandes de chair humaine. Si elles reprenaient vie soudainement et nous attaquaient, vous vous rendez compte? Froussard, elles peuvent même pas bouger. Elles bougent! Elles bougent, je vous jure! Oh oui? Elles sont vivantes? Bien vivantes? Inouïes. Des tortues de la préhistoire et en vie. Ne prenons pas de risques. Retournons au radeau. En route, vite! Vite, ne nous laissons pas encercler. Allons, Sophie! Montez à bord, Olsen. Allez, vite! Allez, à la perche! Yann, mettez-vous à la barre! Brusquement, le vent se leva et la mer souterraine devint agitée, le temps orageux, l'atmosphère chargée d'électricité. J'eus le pressentiment d'une catastrophe. Sophie, Sophie, ma chère enfant,
Tu n'as rien? Non. Non. Et André? Comment est André? Nous allons le savoir. Comment le sens-tu, André? Sophie. Où est Sophie? Moi, je crois que je puisse être pleinement rassuré sur l'état de santé de chacun. Où sommes-nous? Oui. Où sommes-nous? Je pense que nous devons être à peu près situés à l'aplomb du bassin méditerranéen. Si mes instruments n'ont subi aucun dommage, comme je l'espère, nous serons vite fixés. Seulement pour ça, il faut les retrouver. Mon oncle et Olsen. Oui, je l'avais complètement oublié. Est-ce que l'un d'entre vous l'a vu quelque part? Non, nulle part. Mais j'ai découvert ceci. Ah. Oh, regardez. Ah, démolir. Qu'est-ce qu'il y a, mon oncle? Oh. Mais tout ce beau gâchis. Le radeau est en miettes, ou presque. Mes précieux instruments brisés. Et je ne sais même pas où on en est. Il y a de quoi désespérer les meilleurs. Mais ça, c'est indépendant de votre volonté. Je suppose que sous terre, il faut s'attendre par principe à l'inattendu. Oui, mon enfant, tu as raison, comme toujours. Parfaitement raison. Et aussi, rien, rien de tout ça ne pourra m'empêcher d'avoir rendez-vous avec l'histoire. Bravo, voilà qui vous ressemble davantage. Regardez, monsieur. C'est le livre d'Olsen, Sauvé de la tempête. C'est miraculeux. Il est en grec ancien. Un livre sur le temps et l'espace. Vous ne pensez pas qu'on devrait s'intéresser à son propriétaire plutôt? N'allez pas vous perdre surtout. Et montrez-vous prudent. C'est étrange, tous ces os entassés pêle-mêle autour de nous. Nous avons découvert un cimetière d'animaux de la préhistoire, à ce qu'il me semble. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un fémur de primate quelconque, je pense. Admettons que ce soit un cimetière préhistorique, qui nous dit qu'aujourd'hui même, il ne subsiste pas des descendants bien vivants de ces animaux ici. Oh, venez voir! Une dent de dinosaure. Il faut que nous en rapportions une à mon oncle. C'est une molaire. Et une molaire cariée. Oh, Sophie, regardez cette étrange forêt. Oh, absolument, tout est étrange ici. Et nous allons de surprise en surprise. Quelle découverte va-t-on encore faire? Rêver. Oui. Je crois que nous ferions mieux de retourner. J'étais sûre que vous alliez dire ça, André. Écoutez, Sophie. Notre objectif est atteint. Nous avons réussi à descendre sous terre. J'estime que nous avons plus que payé notre tribut à la science. André, où voulez-vous en venir? À persuader votre oncle qu'il faut qu'il fasse maintenant marche arrière. Pourquoi faire? Il n'y aura sans doute pas de retour sur terre. Mais parce que je veux que nous nous marions. Voilà pourquoi. Oh, André! Et qu'un cimetière même préhistorique ne me paraît pas l'endroit idéal pour avoir des bébés. Des bébés? Oh, oh, André. Oh.
Réfugions-nous dans la grotte. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais Olsen, qui sont donc tous? Pas de questions, je vous prie. Certains concepts récents ne sont pas à la portée de l'esprit humain pour l'instant. Oh, je n'arrive pas à en croire, messieurs. Un instant, je vous prie. Écoutez, Sophie, il faut me promettre de ne pas souffler mot à votre oncle à propos de ce que nous venons de voir ici. Parce que sans cela, il serait impossible de repartir. C'est promis. C'est promis. Très bien. Venez maintenant. Venez, Olsen. Allons, Olsen, on vous attend. Ainsi se poursuivit notre périple sur la mer souterraine. Mon tuteur ne laissa absolument rien au hasard, dans sa volonté inébranlable de percer les secrets de cet univers étrange. Cependant, un changement subtil s'opéra en lui, lorsqu'il se mit à dévorer le livre d'Olsen. Olsen. Oui, monsieur. Selon votre livre, échoué comme nous le sommes sur le rivage, la notion du temps serait relative, non absolue. C'est parfaitement juste, hélas. J'ai vérifié la théorie moi-même, un peu à mon regret. Et j'ai constaté que dans certaines circonstances, on pouvait en effet se déplacer aussi librement dans le temps que dans l'espace. Il y a un an, je ne vous aurais pas cru, peut-être. Mais après les mystérieuses expériences de notre voyage... La vie que vous menez sur Terre est remplie de mystères que vous ne soupçonnez même pas. Parlons un peu de ces mystères. Nous sommes en 1898, je crois. Oui, en ce qui vous concerne. Or, ce livre porte comme date de publication 1914. C'est-à-dire presque 20 ans d'avance. Comment expliquez-vous ça? Mais... tout bonnement par cette fameuse théorie, si ça n'est pas une faute d'impression. Tout ce que je sais, c'est que je donnerais ma vie pour posséder une invention comme celle-ci, avec tous ses secrets. C'est le seul appareil de ce type existant au monde. Et vous n'avez aucune idée de toutes ses possibilités. Il pourrait même vous emmener sur la Lune. Professeur, l'océan s'arrête là. On ne peut pas aller plus loin. Où sommes-nous là? Dans une sorte de grotte, on dirait. Droit devant, Yann. On n'y voit pas grand-chose. Mais il ne semble pas y avoir d'issue. Nous n'arriverons jamais à sortir d'ici. Alors nous devrons faire demi-tour. Demi-tour? Jamais. Yann, essayez d'amarrer le radeau ici. Toi, tiens la lampe. Attention, Sophie. Le sol est là glissant. Méfie-toi. Professeur, regardez. A.S. Une fois encore, Stadumstrom nous indique la route à suivre. Bien.
Il faut essayer de nous forcer un chemin dans cette paroi rocheuse. Mais supposez qu'au-delà, il n'y ait rien d'autre encore qu'une mer intérieure. Alors il faut y aller voir. Nous devons avancer le plus loin possible. C'est inutile de vous fatiguer. Vous ne faites même pas une marque sur la roche. Alors je vais taper plus fort. Il faut continuer à avancer. Soyez raisonnable, mon oncle. L'entreprise est impossible. Écoute, Sophie, pour moi qui recherche la vérité, jamais rien n'est impossible. Mais maintenant, recule, s'il te plaît. Oncle Georges. Oncle Georges. André, empêchez-le de continuer. Moi ? Mais je ne peux rien, rien du tout. Olsen, vous êtes le seul qui puissiez nous sauver. Faites quelque chose, je vous en prie. Si vous le désirez. Professeur, professeur. Mais votre courage est admirable. Mais il s'agit d'une tâche que moi seul peux accomplir, remonter sur le radeau. Quelles sont vos intentions? Montez à bord et partez aussi loin que vous le pourrez. Ce sera très bref, professeur. Olsen, vous-même, que deviendrez-vous? J'ai dit l'autre jour que j'avais trouvé une voie d'accès, je trouverais bien une voie pour ressortir. Dieu te protège. Adieu, ma chérie. Je garderai un bon souvenir de vous, Olsen. Il ne se passe rien, qu'est-ce que ça signifie? Vite, sans quoi nous allons périr asphyxiés. Vite! Au revoir, professeur!
professeur. J'ai découvert un mouton. Hé, petit, où sommes-nous? Hein? Dis, où on est? Il n'a pas l'air de comprendre. Où est-ce qu'on est? Dis-le-nous. Essayons dans une autre langue. Pas une vie. Pas une vie. Essayons l'anglais. Écoute, where are we? Eh bien, réponds. Where are we? Donde stai? Non, où sommes-nous? Dove siamo? Stromboli! Stromboli? Yann! Où est passé Yann? Yann! Venez, Yann, le volcan vous mine là, c'est dangereux, venez! Ainsi se termina notre fabuleuse odyssée. Yann retourna en Islande, remonter son troupeau qui compte plus de 100 têtes maintenant. Propriétaire respecté et envié, il reçoit souvent la visite de sa chère cousine. Sophie et moi, nous nous lançâmes dans une nouvelle aventure, l'aventure matrimoniale. Une femme ne peut pas se passer du soutien d'un homme d'expérience, un homme prévoyant. Quant à mon tuteur, il reprit ses visites chez le libraire, nourrissant Dieu sait quelle nouvelle rêverie chimérique. Bonjour. Bonjour, professeur. On a déposé un paquet pour vous. Pour moi? Quand? Savez-vous qui? Un nom étrange, Kralelsem ou quelque chose. Stalenstrom. Par exemple.